La particularité de ce restaurant et cet établissement, c'est déjà le lieu. Le lieu, le restaurant, l'hôtel qui est situé dans le vallon de l'enfer, c'est un lieu magique. Magique dans le sens paysage, la pierre, la bâtisse, tous ces éléments réunis ensemble créent une harmonie extraordinaire. Les qualités nécessaires pour devenir un bon chef, ce n'est pas une seule qualité. Je pense qu'il faut être déjà avoir beaucoup d'humilité, être un bon manager, savoir écouter et savoir s'adapter. S'adapter à son équipe, s'adapter au lieu où tu travailles, s'adapter à la clientèle et surtout ne jamais oublier faire plaisir et se faire plaisir. Ma philosophie reste avant tout de travailler des produits locaux, des produits de la Méditerranée, produits de la Provence, et de les embellir au quotidien. Et surtout de travailler avec des produits de saison. J'essaye de travailler des produits qui sont en abondance pendant la période où il faut les travailler, pour justement respecter et pallier à ce quota de surpêche, surélevé, tout ce système actuellement qui nous a un peu vidé les océans ou amené vers la suralimentation. Donc c'est pour ça que ma ligne de conduite, c'est vraiment, je discute beaucoup avec les maraîchers pour savoir qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut remettre à l'ordre du jour. Je suis oliveron au Beau-de-Provence, c'est-à-dire qu'on a des vieux oliviers qui poussent au pied du château et un moulin dans lequel on est en ce moment. Et on a la chance de travailler avec le chef Sylvestre depuis presque 10 ans. Et il restitue aujourd'hui des plats merveilleux avec nos produits. Travailler avec les producteurs locaux était une de mes premières priorités. On n'a pas des hectares et des hectares d'oliviers à perte de vue, ce qui nous garantit tout le temps une qualité régulière. Et ça, c'est le plus important. Pas de quantité, mais surtout la qualité. Et Wahid, qui est un chef donc très technique, hein, donc c'est ces jeunes chefs qui sont formés produits, qui sont très produits, nous challengent. C'est-à-dire qu'ils nous invitent à venir manger, hein, donc ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, et on vient goûter le résultat de son interprétation de nos produits locaux. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on ressort de là, on est des lions, quoi. On a envie d'être plus performant, on a envie de faire mieux, et ça, il sait faire. Souvent, quand je passe mes commandes, je demande à mes fournisseurs s'ils n'ont pas quelque chose d'exceptionnel qui vient d'arriver, et je le prends. Parce que j'ai toujours des clients, des fidèles de la maison qui me font entièrement confiance, avec qui, parfois, ben, je fais des essais, on va dire. Les cartes sont renouvelées assez fréquemment. Comme on est dans une maison familiale, on est dans le sud de la France, on est en Provence, la clientèle est très exigeante dans le sens où elle reste longtemps, elle séjourne longtemps. Donc j'ai une ligne conductrice de la carte où il y a deux menus, une balade des beaux, un tradition évolution, ainsi que 12 plats à la carte. Mais cela ne m'empêche pas de sortir des sentiers battus et il faut que je me remette en question perpétuellement. C'est très difficile, mais je n'arrive pas. Je pense que c'est ça mon moteur. Les grands classiques de Beaumanière, les plats emblématiques de Beaumanière, je les ai revisités en changeant les techniques de cuisson, les techniques de préparation, les techniques de conservation. Ça, c'était la première étape. J'ai essayé de trouver aussi, et ce qui est très difficile
à faire, c'est de travailler plus régulièrement au jour le jour ces produits-là, c'est-à-dire changer aussi la qualité des produits, prendre des produits de qualité exceptionnelle. Je préfère dire qu'il n'y en a plus que de travailler une qualité un peu inférieure et qu'on en ait tout le temps. Ma cuisine évoluera, je pense, par rapport aux saisons et ce que la nature va nous donner. Les techniques évoluent très rapidement, donc on s'adapte. Nous, on s'adapte à la technique. Je veux qu'on s'adapte aux nouvelles technologies. Mais je pense que la cuisine qui va évoluer, ou ma cuisine qui va évoluer dans les mois ou dans les années qui viennent, ça sera surtout une cuisine sur le bien-être. La définition du luxe pour moi, qui vient de loin, c'est déjà pouvoir avoir la chance d'en parler.